rassemblés en ce jour pour célébrer la vie de notre cher regretté de feu les apôtres Kaya Okota Daniel, fondateur, président fondateur de l'église apostolique La Montagne de Sion. Nous célébrons sa vie, il a cherché son pèlerinage terrestre, il rejoint son créateur. Nous sommes rassemblés pour témoigner de son existence et pour l'honorer. Merci d'avoir organisé cette cérémonie d'hommage. Et merci de votre présence si qualitative qui permet à cette famille de se sentir aimée et de se sentir soutenue. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous entamons notre cérémonie par la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, nous aurons la présentation des condoléances au nom de la famille éplorée. L'officiant du jour, le pasteur Maurice Yedou, viendra pour le message. À sa suite, le préparateur de la famille que j'ai nommé ce jour, Wembagnan, viendra pour vous donner la suite, le remerciement et la suite du programme des obsèques de notre célébrité de fin. À sa suite, le révérend pasteur Tom Célestin viendra pour la prière finale et le renvoi, et nous allons assister à la vue du corps proprement dite. Sans transition aucune, mesdames et messieurs, humblement, priez à vous tenir debout, nous recevrons le révérend pasteur Cécilion Serge pour la prière ensemble. Notre Dieu, éternel, notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père, Dieu l'Alpha et l'Oméga. Ce matin, c'est grâce à toi que nous sommes bénis. Nous voulons confier chaque instant de notre vie, chaque instant de tout ce que nous allons faire à tes soins, de sorte que nous puissions demeurer dans la voie de l'éternité. C'est pourquoi nous te soumettons également, notre Dieu, notre Père, ce moment, de son début à sa fin. Nous voulons que ta main y soit, car nous ne pouvons pas faire un pas sans toi. Père Céleste, c'est pourquoi je remets tout ce que nous avons et te prie, notre Dieu, notre Père, que le contrôle soit sous tes regards, afin que nous fassions ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. La louange et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous ouvrons la page de la manifestation de votre solidarité au nom de la famille et pleurer. Pour ce faire, nous allons nous avancer. Nous allons marquer un arrêt devant la dépouille mortelle de notre chérité de feu. Nous allons passer devant les membres de la famille, les mains jointes sans toutefois serrer les mains des membres de la famille. D'un mot, d'un geste de la main ou de la tête, d'une condoléance et nous retournons nous rasseoir. À la suite, priez à vous asseoir, vous savez que tout le monde va s'appeler à vous faire passer. Merci.
C'est pas le moment ou le bon moment
Mais c'est un moment de réflexion. Salomon a dit, c'est bien d'être dans la maison des fêtes, mais de temps en temps d'être dans les funérailles et dans les moments de deuil. Parce que ça t'amène à réfléchir sur ta vie et sur des choses peut-être sur cette terre sur lesquelles tu t'appuies ou bien tu prends comme de grandes valeurs. Mais il y a une chose que la Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 3, il y a un temps pour tout, toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes là parce que le temps, ce moment est arrivé pour son serviteur. Mais il y a quelque chose que je veux partager avec nous. Il y a cette question fondamentale de la vie que chacun doit répondre, que ce soit un jeune, une personne de moyen âge ou bien une personne âgée. De cette question, en anglais, je vais lire ça en français parce que c'est la traduction. La première question, en anglais, on dit « Who am I ?» Qui suis-je ? Chacun ici, même si tu as 70 ans, tu continues de découvrir qui tu es. Personne ne peut se connaître toute la longueur de sa vie. Parce qu'arrivé à un moment donné, tu sens que tu étais différent il y a de cela quelque temps, ou à un moment donné, tous les jours tu découvres quelque chose de nouveau de ta vie ou dans ta vie. Même dans le mariage, j'ai des amis qui étaient mariés pendant les 40 à 50 ans, mais ils découvrent qu'à 50 ans de mariage, ils découvrent quelque chose de nouveau dans la personne avec qui ils ont vécu tout ce temps. Donc personne ne peut se découvrir jusqu'à la fin de sa vie. Parce que le mystère de Dieu est caché dans la vie de chacun et ça peut se manifester à tout moment. Donc la première question, qui suis-je? Deuxième question, où suis-je? Troisième question, pourquoi suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quatrième question, où est-ce que je vais d'ici? Cinquième question, comment puis-je y arriver? Parce qu'il y a le chemin à faire. Comment je peux atteindre comme il a fait pour lui? Sixième question, quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je termine? Parce qu'il y a un commencement et il y a un fin. Septième question, de quoi se souviendra-t-on de moi? C'est la question d'héritage. En anglais, on dit, it's a question of legacy. Qu'est-ce que tu seras? C'est en fait de quoi les gens vont se souvenir de toi. Et cette question, cette dernière question, je le lis avec la première question, qui suis-je? Parce que si tu réponds à ces deux questions, la première question et la dernière question, la septième question, tu peux dire, je sais pourquoi je suis sur la terre. Nous sommes là aujourd'hui parce que la personne que nous sommes en train de pleurer, son départ, nous a réunis. Sans lui, je n'allais pas connaître certaines personnes. D'ici. Et on a tissé des moments de relations très, très, très forts. Et la dernière fois que j'étais avec lui, c'était à leur départ pour le Canada. Lorsqu'ils ont eu leur passeport pour aller au mariage de leur fils, il m'a appelé et dit, mon frère, quelque chose s'est passé. On a eu visa de Canada pour 5 ans. Nous sommes entrés. On s'en va pour le mariage de Gédéon. Et dans 3 semaines, on sera de retour. Quand il a dit 3 semaines, je lui ai posé, pourquoi 3 semaines? Pourquoi 3 semaines? On a trop traversé des choses en Côte d'Ivoire. Il faut rester là-bas pour te reposer un peu. Pourquoi tu peux dire non, on va aller pour revenir, il y a des choses à faire. Et après, on verra ici l'année prochaine, nous allons partir pour rester un peu longtemps. Mais pour le moment, je vais qu'on revienne vite. Et la question, en fait, je suis parti à la maison avec un de mes fils spirituels, M. Gabriel Rosny, je ne sais pas s'il est là.
On s'est embrassé, on a prié, on a parlé, on a échangé vraiment des paroles. Parce qu'on avait planifié déjà, nous deux, de commencer à former des gens qui sont dans les deux églises et appeler d'autres serviteurs de Dieu, deux personnes qui sont proches de nous, pour les faire joindre aussi dans ce mouvement, pour que nous puissions travailler avec ceux qui sont avec nous, pour les former. Lui, il était concentré sur la délivrance. Moi, je suis dans l'enseignement de leadership et ainsi de suite. Mais il y a d'autres personnes qui ont les dons. L'apôtre Bakassa, il y a le prophète Don qui est là, il y a le chef de Seigneur. D'autres personnes avec qui nous sommes associés, que nous avons décidé, nous allons commencer et les impliquer pour inculquer avec eux, ceux qui sont avec nous, ce que nous avons appris toutes ces années de ministère. Parce que est-ce que là, on a vraiment, on se disait, on allait commencer avant la fin d'année et chaque mois, on va les réunir tous et passer du temps à les impacter. Et puis je reviens, on va commencer. J'étais au Tchad, à Sahel ou à Mondou, quand j'ai reçu l'appel de Mana pour dire que ton frère nous a quittés. Ce jour-là, je devais enseigner, c'était dur, c'était difficile. Comment tu vas enseigner les pasteurs sur une plantation d'église et alors qu'un implanteur vient de partir? C'était une soirée, en fait, après-midi, très très difficile. Mais ce que je voulais partager avec nous ce matin, c'est que chacun de nous, dans Genèse chapitre 1, verset 26, peut-être je vais lire ça dans la version Semeur, Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu dit, faisons des hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu a créé l'homme à son image. Au début, l'homme n'était pas créé pour mourir, comme nous avons ce matin expérimenté ici aujourd'hui. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Mais le péché est entré et tout a été saboté. Mais Dieu avait un deuxième plan qu'il allait envoyer son fils pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. La question aujourd'hui, les sept questions que Dieu m'a de poser, dans cette question, les sept questions, qui suis-je? Qui sait où tu es aujourd'hui? Il y a plusieurs réponses qui peuvent sortir. Mais j'ai deux questions qui est attaché à ces questions. Qui suis-je? Est-ce que tu te connais? L'apôtre Kaya, au côté de Daniel, était quelqu'un comme ça a été dit la nuit, à la veillée, était quelqu'un qui était dévoué à Dieu. Nous qui sommes là, le message n'est pas à l'apôtre Kaya, mais c'est à nous qui sommes là. Et tu te connais. Tu as Dieu ou bien tu es dans le monde. Tu as Dieu ou bien tu es dans d'autres choses. Parce que toutes choses, la Bible a un fin. La vie que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est à la fin de ta vie, comme la septième question dit, de quoi le monde entier, ta famille, tes amis, tes ennemis se souviendra de toi? Aujourd'hui, c'est la question que chacun doit poser. Nous sommes là pour pleurer le départ de notre frère, mais ce n'est pas seulement de pleurer, mais d'être avec des réjouir. Cette partie n'est pas peut-être en présent, ça ne plaît pas beaucoup de personnes, par contre, à pleurer. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous allons pleurer, mais nous allons nous réjouir parce que nous sommes sûrs de là où il se trouve. Il n'est pas dans ce corps. C'est la maison qui est là. Il est parti, il est avec son Seigneur. Amen. Quelqu'un me disait, non, je suis à la maison, si on lui demande de revenir, je passe par sa nièce, il va dire, non Seigneur, je ne vais pas partir là-bas. Amen.
Pasteur, mais j'ai trop de souffrance. Je préfère rester ici. Alléluia. Et ça me fait rappeler de Smith Wigglesworth. Et la Bible dit, ça fait prier, elle est ressuscitée. Après, elle a dit, pardon, laissez-moi partir. Là où je suis, là, c'est mieux que là où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. La question aujourd'hui à nous tous, est-ce que tu sais qui tu es? Pour savoir qui tu es, tu ne peux pas savoir dans les bas climatisés, on ne peut pas savoir en pratiquant la fétiche de fétichisme, on ne peut pas savoir dans les clubs, on ne peut pas savoir dans les choses qui ne plaisent pas à notre Créateur. On ne peut savoir si tu es en Dieu et ton esprit est connecté avec le Saint-Esprit, est connecté avec Dieu, et tu peux savoir qui tu es, où tu t'en vas. Aujourd'hui, la question, est-ce qu'à la fin de ta vie, les gens peuvent dire, comme nous pouvons dire avec aucun doute ou deuxième pensée, que la porte Kaya est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. S'il a la possibilité de nous regarder, il est en train de nous regarder, en train de pleurer, mais il est en train de dire, ne pleure pas, parce que je suis dans le meilleur endroit que l'homme peut être dans la vie. Alléluia. Nous avons besoin de nous poser la question. Est-ce que tu as commencé le voyage que tu es venu faire sur la terre? Parce que la vie sur la terre, c'est un voyage. Ça commence à la conception, Psaume 139, verset 16, 15 à 16, la Bible dit, avant que tu ne chantes même dans le sein de ta mère, dans les profondeurs de la vie, dans les choses de nous cacher, Dieu savait déjà et il a déterminé où tu vas habiter sur la terre, ce qui va se passer avec toi, comment ta vie sera. Dieu a tout déterminé. La question c'est que, est-ce que tu sais où tu es aujourd'hui en Dieu? Selon le plan de Dieu, c'est le Psaume 139, verset 15 à 16. Parce que dans Actes chapitre 17, verset 25 à 26, la Bible nous dit, même nos habitations, Dieu sait, et tout est déjà écrit dans un livre et dans la présence de Dieu. Est-ce que dans la vie aujourd'hui, tu es en train d'accomplir ce qui est écrit dans ton livre au ciel, ou bien tu es en train d'écrire, accomplir ce qui est écrit dans ton livre sur la terre? Parce que Satan aussi a son livre pour toi. Le mort a celui à ce livre pour toi. Le cœur qui est actif maintenant. Parce que deux choses ne peuvent pas marcher à la fois. Tu éteins la lumière pour que ça devienne noir. Tu allumes la lumière pour que l'endroit devienne clair. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui en tant que chrétien? Je suis là pour nous dire. Nous devons réfléchir. De quoi que le monde se viendra. Maman Kaya, les enfants, j'ai trop salué les autres personnes qui ne sont pas là, les familles qui regardent un peu partout. Je voulais vous dire, son frère qui est là, c'est pas une bête. Et je peux dire, peut-être, Dieu nous a parlé avant de conclure, et revenu dans la conclusion sur les sept questions. Maman Kaya la dernière fois, je pense, ça peut être pas juste, ça peut être pas vrai, mais je pense qu'il savait que quelque chose allait arriver. C'est difficile. Mais nous n'avons pas compris les signes qui étaient dans l'atmosphère. Je sais le temps qu'on a passé ensemble. Pour dire qu'il y a eu visa pour aller au Canada. Et qui revient dans trois semaines, et dans ce langage, il était comme si, dans la tonalité des avoirs, c'est comme s'il était pressé de revenir en Côte d'Ivoire. Je vois maintenant, peut-être, je ne dis pas que Dieu a dit, Dieu m'a rien dit par rapport à ça. Peut-être, il ne voulait pas mettre de fardeau sur Gédéon là où il est. Ça va être plus difficile. Il a reçu, quand il a dit même dans l'avion, il a dit si je meurs, ou quelque chose m'arrive, il n'a pas utilisé le mot selon ce qu'il m'a dit, il n'a pas dit si je meurs, il dit si quelque chose m'arrive, il faut m'enterrer en Côte d'Ivoire. Quand il m'a dit ça ce jour, j'ai dit, c'est une parole très forte. Nous ne pouvons pas résister à ça. Parce que c'est sa décision, c'est son désir. Il a dit et il est fini. Comme d'habitude, elle a failli vraiment faire parler avec lui, mais pourquoi tu dis ça? Mais il n'a pas dit.
dit autre chose. Il dit, j'ai dit et j'ai fini. Je pense que notre papa, notre frère, notre homme, notre pasteur, notre serviteur de Dieu savait que quelque chose allait arriver. Mais il ne pouvait pas dire à sa femme. Parce que je suis, en fait, sans doute qui aime sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Comme pasteur, il est où? Ok, il est en train d'enregistrer. Dis Seigneur, on est ici, il a dit des choses qui étaient difficiles. J'ai pitié de toi. Quelqu'un qui est sur le lit, peut-être il pensait à ce qui allait arriver si il partait. Est-ce que peut-être qu'il y a des choses qu'il voulait dire, mais qu'il ne pouvait pas dire parce qu'il pensait à la douleur qu'elle avait traversée. Il n'a pas eu l'occasion de parler avec tout le monde. Parce que c'est le moment où quelqu'un, je sais quand mon père, un jour m'a appelé, il était malade, il disait quelque chose m'arrive avec ma petite soeur, on était deux sur ma côté. Si quelque chose m'arrive, voici ce qu'il faut faire. On dit le dernier parent de quelqu'un est le plus important dans sa vie. Pour finir aujourd'hui, je suis venu dire, je pense, comme c'est écrit dans le programme, notre père, notre frère, notre pasteur, notre apôtre, il a fini sa course. Il y a des signes qui étaient donnés, mais nous n'avons pas vraiment le temps de réfléchir, d'être sensible à ces choses. Et je dis à son frère, dis à la famille, peut-être il savait que ça allait arriver, mais peut-être il ne savait pas le jour. Donc il ne peut pas se prononcer. Et il a gardé. Mais nous sommes sûrs, ton frère a parti au travail, il a travaillé non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs pays où il y a eu des impacts. Ce n'est pas un père. C'est une gagne pour nous. Les enfants, votre papa a travaillé. Il a servi Dieu, pas dans l'hypocrisie, mais dans toute honnêteté. Il a fait ce qu'il devait faire et tout le monde qui le connaît, connaît sa rigueur, connaît comment il est attaché à Dieu, comment il n'accepte pas l'injustice et même le péché. C'est ceux qui fréquentent la vie du péché, qui font des choses, c'est des choses qu'il ne voulait même pas sentir. Parce qu'il pensait que si tu t'es donné à Dieu, il faut être consacré à Dieu, il faut être dévoué à Dieu et servir Dieu dans toute honnêteté. C'est la trace qu'il a laissée. C'est ça qu'il a laissé comme parole qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. En venant ici, Madame Kofi Angèle m'a dit, papa, en 2005, quand on a commencé les 21 jours de jeûne à l'église, parce qu'il y avait 3 jeûnes, et nous, on a prié. Et après ces jeûnes, j'ai eu mon travail. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il faut que chacun réfléchisse. Les 7 questions pour conclure. Comme je dis, ce n'est pas un père. Maman Kaya, les enfants, ce n'est pas un père. Mon frère, ce n'est pas un père. C'est un gain. Tous ceux qui sont avec la part de la famille, c'est un gain. C'est un gain pour nous parce que quelqu'un a laissé une trace qu'on peut dire, celui-là, il a vécu sa vie sur la terre dans toute honnêteté. Il a fait ce qu'il devait faire pour Dieu. Il a servi Dieu. Je ne dis pas qu'il n'a pas de faiblesse. Il n'avait pas de faiblesse. Chacun. Alléluia. Mais les 5 questions. Je reviens sur cette question pour conclure. Qui suis-je? Est-ce que tu connais qui tu es? Si tu n'as pas encore découvert Jésus-Christ, tu ne te connais pas. Il faut le connaître aujourd'hui. Nous avons prié. Si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, il faut le connaître. Parce que tout ce que l'homme fait sur la terre est terrestre, comme l'apôtre Jacques a dit. Tout ce qui vient du ciel est céleste. Deuxième question, où suis-je? Est-ce que tu sais dans le parcours de la vie, il y a 3 étapes. Conception des sens, la vie que tu mets sur la terre et le départ. Tu es où en ce moment? Est-ce que tu sais si tu es proche, peut-être 1 km ou 10 km? Ou 1 million de kilomètres de voyage que tu es en train de faire. Troisième,
passage ici. Il a connu la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Il a fait ce qu'il devait faire. Et nous ne sommes pas dans le regret pour dire qu'il n'a pas fait ce que Dieu l'a appelé de faire. Il a impacté la vie. Quatrième, où est-ce que je vais d'ici? En quittant ce père, est-ce que tu sais ta destination? Réfléchis à ça aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui est baladeur, quelqu'un qui aime vraiment manifester la colère. Si tu as le manque de pardon, si tu gardes les rancunes contre les autres, pensez à celui qui est là. Il n'est pas là aujourd'hui. Son corps est là. Mais est-ce que tu vas garder rancune, le manque de pardon contre les gens jusqu'à quand? Jusqu'à ton départ? Ou bien tu vas pardonner pour que Dieu te pardonne? Cinquième, comment puis-je arriver d'y arriver? Parce que pour arriver à ta destination prévue par Dieu, c'est seulement par l'intermédiaire de Dieu et par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas atteindre la fin de notre voyage avec la sorcellerie. On ne peut pas atteindre la fin de notre voyage avec les féticheurs. On ne peut pas atteindre la fin de notre voyage avec les défunts. C'est seulement avec Dieu que tu peux atteindre la fin de ta vie qui est écrit dans le livre de l'homme somme 139 au ciel. Vas-y, c'est ça que Dieu regarde. Il regarde son livre. Pour toi. Alléluia. Sixième. Quand est-ce que je commence? Si tu n'as pas encore commencé à servir le Seigneur, à faire ce que tu as prévu, pour avoir la raison pour laquelle tu as prié, il faut réfléchir aujourd'hui à la porte Kaya d'année au tard. Si c'était moi, est-ce que je peux dire que j'ai fait mon travail, j'ai fini la course? Alléluia. On peut se lever. De quoi se souviendra ton démon? C'est une question d'héritage. Quand les gens vont penser à toi un jour comme ça, le jour que tu seras dans un cercueil comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Tu voles, tu mens, tu vis n'importe comment, ou bien tu te dis, ta main n'est pas en train de dire, j'ai servi Dieu. Nous allons prier. Si tu ne connais pas Jésus, baisse la tête. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je demande que tu prennes ma vie. Seigneur, restaure ma vie à sa place. Si je dévie ta foi, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi aujourd'hui comme ton fils, comme ta fille. Donne-moi l'occasion de finir ma course sur la terre. Conduis-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ma famille. Amen qui est là. Et nous prions que tu prends le contrôle total de tout ce que tu as prévu pour la famille. Que aujourd'hui, à partir de ce jour, que la mort prématurée arrêté dans la famille au nom de Jésus. Nous prions que le ciel, oh écoute-moi le ciel, au ciel, oh écoute-moi terre, que personne dans cette famille meure de façon prématurée. Nous ne disons pas que ton serviteur est mort prématuré, mais nous disons qu'aujourd'hui, que les enfants vivent leur vie, que la femme vive sa vie jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Cela s'est écrit dans son livre au ciel. Que ton nom soit glorifié dans cette famille, partout où il se trouve dans le monde, au nom de Jésus. Nous libérons ces prières sur la vie de chaque membre de la famille. Et ceux qui sont là, qui ne sont pas entrés dans leur vie, au Seigneur, avec toi, qui rentrent dans cette vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie. Tu es l'alpha et l'oméga. Et c'est toi qui changes les temps et les circonstances. En ce moment de douleur, de pleurs, de cris, nous nous confions à toi comme ton serviteur de nous le dire. Et toute notre famille, la famille spirituelle, la famille biologique, nous crions à toi pour que tu viennes à notre secours. Merci pour ta grâce au nom puissant de Yeshua. Amen. Je viens ici au nom des familles Vamba.
et Pangola Henriette, notre père et notre mère. Ils nous ont mis au monde ensemble. Hier, je l'ai dit, 13 enfants. Les trois premiers sont partis. Deux filles, deux femmes, et voici. Le quatrième, c'était aussi un garçon. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Au nom des familles Vamba, au nom de tous les enfants de Vamba, les fils, les petits-fils, les filles, les petites-filles et toutes ces familles, nous venons dire merci à l'Église. Je suis venu représenter toute la famille ici, à Côte d'Ivoire, pour dire merci à Maman Jeanne. Depuis que ce gouvernement a commencé, elle ne m'a rien caché. Elle nous disait tous les jours, étape par étape, et on communiquait jusqu'à ce que le pire est arrivé. C'est une femme à grand cœur. Et l'Église de l'apôtre Daniel Kaya Okota, pour tout le dévouement, pour tout engagement et pour la considération que vous avez pour cet homme, merci de tout cœur de ce que vous êtes investi pour que cet événement aujourd'hui soit comme il est. Et je pense qu'à la fin et après cet événement, sa femme, ses enfants et tout le reste ne cesseront d'être reconnaissants envers l'Église. Les éminents serviteurs du Seigneur qui sont là, notre douleur, ce n'est pas parce qu'il est allé ailleurs, c'est juste la séparation. Et quand je pense que demain et après-demain, on va m'apprendre là où je suis, que le révérend est parti, que tel pasteur est parti, tel serviteur est parti, cette partie-là, personne ne peut supporter. On peut même te montrer la place où l'apôtre Daniel est au ciel. On peut même te faire voir ça par vision. Mais quand tu vas te rendre compte qu'il n'est plus à tes côtés, personne ne peut supporter ça. C'est cela l'expression de notre douleur. C'est cela l'expression de notre état actuel. Pour finir, ce que vous avez fait, ne vous arrêtez pas. Peut-être que je vais retourner et cette famille va rester. Que votre soutien continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne. De manière à ce qu'il ne se sente pas abandonné, isolé. Je vais parler en langue pour dire à la famille qui est à Katako, à l'autre, et pour ceux qui ne peuvent pas écouter la langue que je parle. Le Lokombola na Vambatier, la Pangola Henriette, famille qui pengue, Mayeke, du côté de maman. Et à ce grand métier, Papa Sokola, Papa Sokas et tout le reste qui sont en Europe. Le Kongola Famba, la présente famille génétienne, la Manioche Osaka, de partout où vous êtes. Famille Kilila Lodja, famille Kilila Kinshasa, famille Kilila Europe, Manetje Walela, Daniel Kaya Okota. Depuis Maranombe, la Katako, la Lodja, la Kinshasa, en Europe, en Amérique. On a Kinyu et Nondoa Kiso, Cheso, Okana, Ong, Amutochikaya.
Nyakatomela Ndalibinjo représente les familles. Onyo Srangambosa, Dembala qui on a gesso, comme un Bapolo, l'Odivoda qui est là au Lati. La moyenne Chalosaki Fula, l'Ochumane Roaki. Et je prie que vous aussi, vous nous soutenez. Deloda qui sont et Kotabo Kapiton à l'année. Mais un jour, nous nous réveillerons. Parce que nous avons l'espérance que le Seigneur Jésus-Christ nous sauvera tous. À condition que nous puissions respecter ce que le pasteur vient de prêcher tout à l'heure. Ndakachike famille, Anawakide, Tanywawake, le 10 mai, on a besoin de Tika selon la volonté du Seigneur. C'est tout ce que je voulais dire. Et dire au Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a commencé, il a bien fini. Il a fini sa course et aide-nous à porter le fardeau qu'il laisse. Aide à sa femme à porter le fardeau qu'il laisse. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi le consolateur. Nous n'avons pas d'autre expression. Les mots sont faits. Merci pour ce retour dans ta maison. Merci parce que tu nous réserves à nous aussi une place au ciel. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci beaucoup. C'est donné par son porte-parole, M. Josué Wembanyan. Sans transition aucune, priez à vous tenir debout. Nous recevons de la part du grand pasteur Don Célestin la bénédiction finale et le renvoi. On va ensemble chanter ce cantique. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Viens ensemble chanter. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Encore. J'ai Dieu puissant là-haut. Seigneur, pour le septième, nous prions que tu nous dévances
et que Père, là-bas, tout se passe encore bien. Seigneur, merci pour le déroulement de ces obsèques, du début jusqu'à la fin, tu as été avec nous. Je prie que tu répands tes soins de consolation sur nos cœurs et que tu appliques ton baume sur nos cœurs afin de panser les déchirures, les douleurs, les frustrations, tout ce qui peut, Père, nous détruire psychologiquement. Seigneur, merci de nous consoler, de nous guérir. Seigneur, merci de nous fortifier. Merci de nous soutenir, Seigneur, dans cette dure preuve. Je prie et je prie encore et encore que ta grâce ne cesse de couler sur nos vies. Infiniment et infiniment merci à toi, sœur, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amis de Christ, Jésus seul, Jésus seul, c'est sa chair, c'est son image, 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 c'est son